Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que je pourrais avoir juste une toute petite minute de votre attention? Vous l'aurez certainement remarqué, les lumières se sont éteintes tout à l'heure. Et puis, il y a la petite carte sur votre table. En fait, de 20h30 à 21h30 aujourd'hui, nous célébrons donc l'Earth Hour, une heure pour la Terre. C'est une campagne mondiale que le WWF initie donc dans 125 pays cette année. Et c'est principalement pour envoyer un message fort que tous ceux qui peuvent éteindre la lumière pendant une heure aujourd'hui pensent à la Terre, pensent à notre planète et peuvent faire même un tout petit geste symbolique pour manifester leur intérêt pour la Terre et leur volonté à faire quelque chose pour combattre le réchauffement climatique. Alors vous avez tous participé aujourd'hui en venant au Café de la Gare. Si vous avez remarqué, toutes les lumières de la gare à l'extérieur sont éteintes pendant une heure. Et voilà, nous vous remercions de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit. Merci. You can see here in Madagascar, for the first time we've held Earth Hour in 2010. We're delighted that we got so much participation. This year we have 15 restaurants who are willing to turn off all the power. We're here at Café de la Gare. They've turned off the entire building lights and having a wonderful candlelit dinner for over 200 guests. For us, it's a great treat. It's the first time we could do this. It's the first time we can participate in a global event. And it's good to know that Madagascar is supporting this. Oops. One second, hold on. And the place is on fire. Donc je suis très contente que cette année Madagascar ait pu prendre part à Earth Hour malgré les difficultés qu'il y a en ce moment dans le pays. C'est important que Madagascar participe comme tous les autres pays du monde.